Pendant ce temps, dans l'espace, au poste de commandement des Sorbox, l'infâme Bultax est toujours à la recherche de Flash Bennett. Je suis furieux. Je suis toujours à la recherche de Flash Bennett. Où peut-il donc se cacher? Le mec. Mon chef. Sortez-moi le dossier Bennett. Tout de suite, votre nominé. Trouver des informations sur Flash Bennett. Hilary, surveillez votre marge. Vous voulez retourner en stage chez Brown? Non, pitié, chef, pas Brown. Brown, j'aime ses méthodes. Il ne vous reste des ateliers, il vous prend par la trompe pendant des heures. Il vous détravaille, il vous fait découvrir les joies de la baignade quand il fait moins 40 degrés dehors. Ah, je sens déjà la demeure des électrodes sur mes tempes. Une réflexion, Mitya, un point de vue? Non, chef. On sait tout. Pour votre sécurité, Winter, évitez de penser si fort. Vous voulez retourner en formation? Vous ne vous manquez déjà. Montrez mes présentations. Montrez-moi ce papier que j'ai jeté coudé dessus. Alors, il volait des bambous et vous étiez plus nombreux. Oui, votre nominé. Oui. Quoi? Il a réussi à détruire un de nos vaisseaux? Oui, mais nous avons pu le rattraper et lui tirer dessus. Ah ouais? Je crois même que c'est Ginter qui l'a touché. Ginter, c'est moi, chef! Que je sais, monsieur! Je sais que c'est toi! Retourne t'asseoir! Et après, que s'est-il passé? Le grand pauvre arrête! Il nous a échappé, chef! Quoi, parle plus fort? Il nous a échappé, chef! Ah, les imbéciles! Les incapables! Je suis entouré de bras rien! Quel dur d'être supérieur! Je ne supporte plus la pitié de ces créatures. Je ne suis entouré que de Rick et de Ginter qui n'ont pas plus d'intelligence qu'un nouveau-né. À part boire de la haine et s'empiffrer de choucroute, ils n'en savent rien faire. Ah, les misérables vermisseaux, ils ont réussi à m'énerver. Vite, on va pas faire venir des galox pour calmer mes convulsions chroniques. Mais fais quelque chose, Ginter. Tu crois pas qu'il n'est pas bien? Vas-y, toi! Moi, j'ai pas de signal, c'est fini, oui! C'est fini, oui! Vous ne voyez pas que le grand Bultax est attaqué par sa mère? Allez me chercher mon Bialox! Dale! Exécution! Moi, chef Ulrich! Vous êtes trop idiot! Je préfère y aller moi-même! J'aurais pas aimé être attaqué par ma mère. Oh, bah non, moi non plus. Ah, bah tiens, moi, je vais en profiter pour en griller une. Tu fumes toujours des tromboros? Oh non. Oh, je l'ai arrêté. Elle était beaucoup trop forte. Elle me faisait barrir. Maintenant, je suis au tromboronite mentholé. Ah, mais non, merci. Ya, docteur, surveillez votre marche. Vous voulez retourner chez moi? Et toi? Oh, mais dis donc, je l'imite vachement bien, le chef. Vous voulez retourner en formation? On vous moque déjà. Oh non, chef, pas bon. Tu veux tenter de ma cravache? Non! Ah, tu veux me faire agiter? Je vais te calmer! Non! Où vas-tu comme ça? J'irai boire et vérifier Fialox. Ah, dis donc, j'ai cru que c'était le chef qui parlait. Ah, tu l'imites beaucoup mieux. Allô, mes amis? Vous voulez un petit coup de main? Plus on est des fous, plus on rigole! Bon, j'écoute, j'allais retourner en stage. Vous vous foutez du monde, hein? Vous vous foutez du monde, hein? Comment osez-vous parodier la parole sacrée du Bultax? Sans moi, vous ne seriez que des éléphants errants sans but dans l'espace. Rappelez-vous qu'il y a pas si longtemps, tout le monde riait de vous. Vous étiez comme ces simones excréments qui flottent à la surface des eaux usées.
qui dénigrent au fil des courants à travers le littoral et des égaux, et qui vont se désintégrer contre la paroi des clés. Depuis que j'ai accédé au pouvoir, je suis donné un sens à votre vie. Vous montrez la voie. Il faut exterminer Flash Bene et son peuple l'attendait. Voilà à quoi vous devriez vous concentrer. Au lieu de ça, vous vous moquez de votre régime suprême. Et dites-moi, Greg, c'est vrai que j'ai marché un peu comme ça? Non, pas du tout, chef. Votre démarche est très élégante. Vous aussi, d'ailleurs. Vous essayez de me flatter. Mais ça ne prend pas. Votre visage est gravé dans le cerveau du tax. Chef! Oh, chef! J'ai un bip intersidéral en connexion sur la face ouest. C'était bip assez chrono, mais c'est chrono. Je sais pas, mais c'est énorme. Écoutez, Gunther, je ne comprends rien de ce que vous dites. Alors soyez plus clair avant que je m'énerve. Je crois avoir localisé le Flash Bene. Téloric, entamez la procédure de vérification. Une fois que l'information sera confirmée, vous viendrez me faire votre rapport. Information confirmée. Aidez ton rapport. J'ai trouvé les informations sur Flash Bene. Son vaisseau s'est écrasé sur une planète du système solaire. La Terre. La Terre? Il s'est écrasé sur une île. La Réunion. La Réunion? Flash Bene a trouvé refuge chez une famille de terriens. Les Mouchetards. Les Mouchetards. Flash qui a voulu t'enfuir à l'autre bout de la galaxie, mais je t'ai retrouvé. Je vais t'exterminer. Je vais le faire brûler un petit peu dans de l'huile bouillante. Oui, je pense que j'ai mis du temps de l'huile. Et après, je le débiterai en petits morceaux. En petits morceaux, j'aime pas. Et après, je disperserai ce qu'il reste de son cadavre aux quatre coins de la galaxie. Le disperser, bonne idée. Vous avez fini de répéter ce que j'ai dit. Vous voulez que je m'entraîne sur vous? Vous entraînez sur moi, chef. Oui, oui. Et il n'y a que trois petits gros pignons. Retournez donc t'asseoir. Viltax vient d'avoir une idée sublime. Pourquoi de se téléporterait-il pas lui-même sur la Terre? Il réglerait une fois pour toutes les comptes de ses plages de l'air. Ulrich, venez ici. Hein? Moi, chef. Non, Gunther. C'est moi. Venez ici. Gunther, vous savez que vous êtes mon préféré. Ah bon? Oui, c'est vous qui allez avoir l'honneur de prendre en mon absence le vaisseau du commandement Bultax, Sortox, pour foi. Oh, ben non, on prenait plutôt le rig. Oui, je les garde pour une émission suicide. Toi, tu seras mon bras droit. Ah bon? Vous allez vous le faire arracher? Bon, là, il y a du travail, mais j'ai continué. Merci, grand chef Bultax. C'est un grand honneur pour moi que de servir ma patrie. Il me semble que vous parlez d'une vous. Vous avez un tempéré? Ben non. Eh bien, laissez-moi vous expliquer mon projet diabolique. Grâce au procédé de téléportation, je vais me propulser sur la Terre et me fondre dans la population terrienne. Mais, chef, il va y avoir un petit problème. Quel problème? Rien n'est insoluble, Bultax. Et enfin, qu'as-tu à t'agiter de la sorte? Mais, votre trompe! On va vous reconnaître! Chef, yeah. Vous n'aurez qu'à dire que vous tournez dans Elephant Man? Oh! Yes! Depuis des années, nos scientifiques poursuivent des recherches génétiques afin de faire disparaître ce ridicule appendice. Malheureusement, toutes les tentatives ont échoué. Ça repousse. Mais, grâce au camoule poudron, invention que j'ai moi-même développée, ma trompe se transformera en un choliné aquilin. D'ailleurs, faisons un petit essai avant mon départ. Hein? Gunther? Oui? Mon camoule poudron. Ah, Gunther, le camoule poudron. Non, pas dans ce sens. Évidemment. Préparez-vous à la transformation.
c'est admiratif de voir le génie de Wiltax. Vous ne trouvez pas une petite ressemblance avec Alain Delon? Non, je tiens plutôt à Gérard Depardieu dans Cyrano de Bergerac. Silence! Et si les terriens de perroquets gyrophoniques au corps bien délacé, Wiltax est vraiment sublime, vraiment diabolique, comme je m'aime. Tu as un petit coup de plus. Peter, allez me chercher le portelet suprême. De suite, votre ignominie. Un petit coup de plus. Par là, c'est peut-être la paroi. Voilà. Ah, tu étais là. Laissez-moi t'embrasser. Ah, mais je m'emporte, je m'emballe. Peter, range-moi ça. Range-moi ça. Eh bien, mes amis, avant mon départ pour la paix, nous allons chanter notre hymne national pour me donner du courage. Ah oui, chef. Oui. Téléportation. Au revoir, mes amis. N'oubliez pas que je vous aime.